Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment insérer une page web dans un document Word. Donc ici, j'ai rédigé un petit document concernant un envoi de tarifs d'un terrain de camping situé près de Montalivet. Nous avons le site internet sur lequel nous trouverons le tarif, donc le texte tout simplement qui présente le nouveau tarif. Et à ce niveau-là, donc, devra apparaître la page web dans le document Word. Donc pour cela, je vais aller dans le site, donc le site Camping Mayan. Donc là, c'est la page d'accueil. Donc je vais aller tout simplement dans la page tarif. On voit qu'elle apparaît. Donc moi, ce qu'il me faut, c'est le tableau du tarif. Alors le problème, c'est qu'il n'est pas en entier. Donc je vais devoir réduire un tout petit peu l'aperçu, tout compte fait. Donc pour cela, j'appuie sur la touche contrôle de mon clavier et la touche moins. Vous voyez que je réduis, donc je vais encore réduire une fois. Là, j'ai bien l'intégralité de mon tableau et puis les différentes réductions. Et pour le transférer sous Word, c'est très simple. Je vais appuyer sur la touche imprime écran de mon clavier. Voilà, c'est fait, j'ai appuyé. Je retourne dans Word et avec le clic droit, je vais faire coller. Et ma page apparaît. Alors, bien entendu, cette page, moi je ne veux que la partie tarif, donc il va falloir que je rogne, cette image. Donc pour cela, je clique deux fois, vous voyez qu'apparaît l'outil image, donc je clique sur l'outil image, donc là je pourrais faire des encadrés, etc., mais je vais aller sur rogner. Et là, des poignées apparaissent, et il suffit de prendre une poignée, et d'ajuster, vous voyez, par rapport à ce dont j'ai besoin. Donc moi je ne veux que cette partie là voilà, je clique à côté, je vais centrer que ce soit plus propre, mais là on voit que c'est quand même pas très visible. Donc en cliquant une seule fois apparaissent mes poignées classiques de Word pour agrandir un document. Donc là je vais l'agrandir, on va voir si j'ai un petit peu de place, je vais le faire encore un petit peu, voilà. Il ne me reste plus qu'à faire une petite impression, un petit aperçu pour voir si tout a l'air à peu près correct. Le tarif apparaît, donc pas de problème, tout a l'air bien centré. Donc voilà, le travail est réalisé. Vous avez vu que pas besoin de logiciel de capture d'écran. Word peut s'en charger sans aucun problème. Donc je vous